Bonsoir, bienvenue dans Classé du Plus, salut Médoc. Yeah, Thierry. Salut tout le monde. Bon, ça fait quand même un petit bail, hein. Ça fait 3 semaines qu'on ne s'est pas vu, donc oui, il y avait plus de dimanches au mois d'avril, donc ouais. On a dû décaler, etc., un petit peu l'émission, ce qui nous a permis là d'avoir pas mal de contenu. Et il y a quand même une particularité sur ce Classé du Plus, est-ce que tu as remarqué? Bon, tu as vu le conducteur, un peu le contenu de cette soirée. Est-ce que tu as remarqué un truc? On va faire le sommaire juste après, mais juste comme ça pour teaser un peu. Je dirais, c'est les pigistes qui ont fait le boulot et toi, t'as pas... Attends, j'ai fait 3 minutes pas plus, attention. D'accord, ah ok, d'accord. Bah non, sinon je vois pas. Ah bah en fait, il n'y a pas un seul titre original dans toute l'émission. Pas un titre original, c'est que des suites. C'est que des remakes, des machins, etc. Il n'y a rien d'original. Donc ça fait quand même un petit peu peur dans l'absolu. Et je pense que pour le prochain Classé du Plus, ce sera le cas également. Donc comme quoi, hein, les grosses licences, bouffent un petit peu le marché. Et voilà, ça fait un peu peur, mais on va voir ça tout de suite. Vous allez le constater par vous-même avec le sommaire. On commence ce Classé 18+, avec la critique de Yakuza Dead Souls. On enchaîne avec celle de Resident Evil Operation Raccoon City. Suivi d'un 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu que si t'arrives à le prononcer sans faire de faute, t'es balèze. Après, très simple, Silent Hill HD Collection, la critique flash. Et on termine ce Classé 18+, en restant dans les Silent Hill justement, avec la critique de Downpour. On vous l'avait dit, que des suites ou des remakes. Mais tout de suite, les news. On débute ces News 18+, comme au cinéma, avec une grosse bande-annonce narrative consacrée au décidément très intrigant TPS de 2K Games, Spec Ops The Line, se déroulant dans un Dubaï en ruine, où un commando de soldats américains se retrouve confronté à l'horreur. Allons-y. Il est évident que le 33e n'appartient plus à l'armée américaine. La CIA est là depuis on sait pas quand, elle essaie de faire le ménage. Si on veut comprendre ce qui se passe, on doit retrouver John Conrad. Je sais que vous êtes nombreux à vous poser la même question. Pourquoi? Vous n'avez strictement aucune excuse. On cherche des survivants. Vous en avez trouvé. Ils sont encore en vie. Tuez-les. C'est pas de bol, hein? Cette guerre est finie. Dubaï va être évacué. Et vous allez me dire ce qui est arrivé à John Conrad. Vous pensiez vraiment qu'on allait vous laisser entrer comme ça, dites? On s'est fait piéger. Bienvenue en enfer, Walker. La tempête est trop forte! Faut qu'on retourne à l'intérieur! Allez, allez, allez! Ils sont trop nombreux! On tiendra pas longtemps! Bordel, tire! Mais tire! C'est le 19 avril prochain et jusqu'au 2 mai que l'on pourra expérimenter le multijoueur de Ghost Recon Future Soldier via une bêta disponible sur Xbox 360 et PS3. Pour y accéder, plusieurs solutions. Soit vous possédez Splinter Cell Conviction afin de la lancer directement à partir du menu principal via une option qui apparaîtra le 19 avril, soit vous avez la chance d'être choisi en tant qu'utilisateur du Uplay, soit vous précommandez le jeu auprès de certaines enseignes, ce qui vous permettra de recevoir une clé pour la bêta. Celle-ci proposera 2 maps, Pipeline et 1000, ainsi que 3 classes, Assaut, Spécialiste et Éclaireur. Chaque map peut accueillir jusqu'à 12 joueurs et la bêta donnera accès à 2 modes de jeu. Le premier, Conflit, est un mode à objectif où les joueurs devront récolter un maximum de points. Le second, Saboteur, ne sera quant à lui disponible qu'à partir du 26 avril et opposera 2 équipes qui tenteront de récupérer une bombe située au centre de la map afin de la convoyer jusque dans le camp adverse pour la faire exploser. Ubisoft en a profité pour annoncer qu'un service gratuit nommé Ghost Recon Network sera disponible sur smartphone et tablette iOS, mais aussi Android ainsi que sur navigateur. Ce service servira pour personnaliser et changer ses armes à distance, suivre les stats de vos amis ainsi que les leaderboards, étudier les maps avant votre prochaine partie multi, gérer votre équipe, débloquer des skins d'armes et des armes tout court, etc. Le Ghost Recon Network sera disponible à la sortie du jeu le 24 mai prochain, mais pourra également être découvert en avant-première sur Android et Internet au moment de la bêta. Il sera aussi mis à profit pour les prochains Ghost Recon, Ubisoft comptant visiblement frapper fort avec ce nouveau jeu, en développant tout un tas de features transversales, comme avait pu le faire Electronic Arts avec Mass Effect 3 par exemple, ou Activision avec Call of Duty. Hangs in the balance.
Après le pseudo-reboot moderne de Medal of Honor, orchestré en 2010 par EA et ses studios situés à Los Angeles, le géant américain remet le couvert. Tout comme la série des Call of, Warfighter mettra en scène des conflits dispersés à travers le monde qui se dérouleront en Afghanistan, aux Philippines ou encore en Somalie. L'idée étant une nouvelle fois de faire parler les armes pour, ouvrez les guillemets, lutter contre le terrorisme mondial. Du FPS bien poisseux donc, CNN style, dont le scénario a été écrit par des agents du Tier 1, les forces spéciales américaines. Le personnage mis en scène se fait appeler Preacher, un homme qui prend conscience en rentrant chez lui qu'il se bat pour son pays, certes, mais d'abord et avant tout pour sa famille. Ah, je sens que je ne vais pas y jouer à celui-là. Preacher devra donc lutter contre deux choses, les terroristes et l'implosion imminente de son mariage. Ça tombe bien, ces deux objectifs ont toutes les chances de ne plus en faire qu'un au cours d'une campagne solo qui devrait potentiellement emprunter tout autant à la série 24 heures qu'à Plus belle la vie. Reste le moteur du jeu, le Frostbite 2, déjà utilisé sur Battlefield 3, qui devrait quand même nous en mettre plein la vue. Histoire de se détendre un peu après ce raz-de-marée d'hémoglobine et de patriotisme, on va maintenant se regarder une pub pour une lessive un peu spéciale. Nasty. Those sloppy joes from lunch. That glue from art class. Those sweat stains from gym class. And even the reanimated corpse of one of your former fellow students. Well, I know I have. Until now. A friend turned me on to Zombiegon, a brand new detergent from Lollipop Chainsaw, specially formulated to get out even the toughest brain matter stains. Zombiegon works by getting deep into the clothing fiber and lifting out all the icky, decomposing human tissue that gets stuck to you after a long day of bludgeoning the undead. Only Zombiegon will allow a sweet, adorable cheerleader to go from this to this. So the next time you need to annihilate a horde in a zombie apocalypse, the only thing that will be spared from total destruction is your wardrobe. Okay, don't clean, totally clean. Zombiegon, another great product from the makers of Lollipop Chainsaw. Pre-order your copy of Lollipop Chainsaw now. C'est Square Enix qui éditera en cours d'année la suite de Sniper Ghost Warrior. Le premier jeu était sorti en 2010 sur PC et Xbox 360 et un peu plus tard sur PS3. Pas franchement marquant et totalement à la ramasse techniquement, ce FPS fut développé par City Interactive, un studio polonais. Sans doute conscient des limitations techniques de leur titre, ils présentent aujourd'hui une vidéo faisant la démonstration du réalisme des décors et du moteur physique de Sniper Ghost Warrior 2. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bah, c'est pas super impressionnant, non? Ce qui est quand même un peu con pour une vidéo technique mettant en avant l'utilisation du fameux CryEngine 3 de Crytek. Cette nouvelle vidéo de gameplay consacrée au jeu d'action Open World Sleeping Dogs, ex True Crime Hong Kong, met en avant quelques-uns des moyens de locomotion du jeu. Les développeurs nous annoncent plus de 65 véhicules différents et tout un tas de features dédiés à ces derniers. Tout comme dans la GTA ou Burnout Paradise, on pourra participer à des courses et réaliser des cascades. Ça, c'est pas nouveau. Mais il sera également possible de voler une voiture en pleine course, un peu à la manière du jeu Wheelman, sorti par Midway en 2009. Voire carrément se la jouer à la Tom Cruise dans Mission Impossible 2, en réalisant des trucs un peu fous avec une moto et des guns. Come on, I gotcha. Voici les premières images de Resident Evil 6 qui sortira le 2 octobre prochain. Les plus pressés pourront mettre la main sur la démo du jeu dès le 3 juillet sur Xbox 360 et à partir du 4 septembre sur PS3. Celle-ci étant téléchargeable via un code fourni dans les boîtes du RPG Capcom, Dragon's Dogma. On retrouvera les habituels Léon et Chris accompagnés d'un casting de nouvelles têtes dont celle du fils de Wesker. Comme le 5, RE6 sera jouable en solo ou à deux en coop, offline et online. Et comme Resident Evil Revelation sur 3DS, on pourra désormais tirer tout en avançant en même temps. Ce qui sera très utile, vu que les zombies croisés pourront désormais sauter et courir comme des dératés, à l'image des infectés du film 28 jours plus tard, ou du tout récent Resident Evil Operation Raccoon City. En fait, ils pourront même utiliser des armes.
Enfin, Capcom nous promet également le retour du fameux mode Mercenaries qui avait fait l'objet d'une sortie boîte lors du lancement de la 3DS. Allez, on vous laisse regarder la fin de ce sympathique trailer avant d'aborder avec Medoc les dernières infos sur un autre jeu très attendu, BioShock Infinite. Hunnigan, I need you to fake our deaths. Can you do that? What are you going to do? We're going to China. Sherry, what are you doing here? I'm on protective detail. Why are you here? I'm tracking the men behind all this. What? We met? No, you jarheads all look the same to me, pal. Sorry. You know, those shots of yours pack one hell of a punch, lady. So, you're Wesker Jr. He lost me. Albert Wesker was a colossal imbecile. A fool who tried to destroy the world. He was also your father. Which makes you heir to a very special blood type. Here's something to remember you by. Put your gun down, Chris. She's a key witness. We need her. A witness? She's the one who did all this! Resident Evil 6. Voilà pour les News 18+. Comme vous avez pu le constater, c'est un peu l'image de contenu de cette émission. Beaucoup de suites. Alors, on va se faire un petit peu plaisir, on va parler d'une suite, mais attention, pas n'importe laquelle. Ouais. Parce que pour le coup, BioShock Infinite, donc bon, oui, quelque part, c'est le troisième épisode d'une série, mais on sait qu'Irrational Games, qui fêtait ses 15 ans, là, tout récemment, à l'occasion du PAX, un salon qui a eu lieu à Boston, là, tout dernièrement, fin mars, et donc a fait tout un petit event sur place. Et donc, ce jeu est le deuxième développé par le studio, Irrational Games, et ils changent également, ils ont pris le risque de changer complètement de contexte. Donc là, on connaissait déjà quelques détails sur le jeu. On savait que ça se déroulait en 1912 dans une ville aérienne qui s'appelle Columbia. On contrôlait un détective qui était accompagné d'une jeune demoiselle qui s'appelle Elisabeth. Qui avait des pouvoirs un petit peu mystiques. Et puis on nous avait donné aussi des éléments de gameplay, notamment le fait qu'elle puisse faire apparaître, quand tu lui demandes, fais-moi apparaître une tourelle de combat ou un truc comme ça. Elle change un peu, elle joue avec le truc... la réalité. Ouais. La réalité. Et c'est genre, à chaque fois, elle perd quelque chose en se faisant. Donc du coup, il y a comme une pression qui oppresse le joueur et qui lui fait sentir que s'il utilise genre un peu trop la petite demoiselle, peut-être qu'elle va en souffrir réellement. Genre voilà, on n'en sait pas plus pour l'instant. Et par contre, le studio avait également présenté les monstres. Donc on va en parler un petit peu, ils ont présenté jusqu'à maintenant les 4 Heavy Eaters. Donc en gros ça correspond genre aux créatures bien bien balèzes du jeu. Ouais, des styles de mid-boss quoi, comme ce que tu trouves dans Left 4 Dead, le gros tank, le Hunter et tout, c'est ce style de truc. Ouais. Sauf que là c'est complètement barré, et donc c'est une nouvelle fois, ça, on voit toute l'originalité de ce studio, y compris dans le caractère design de ces créatures. Donc on en a 4 donc, qui ont été présentés, on a Handyman. Donc Handyman, c'est une sorte de gigantesque brute avec des mains d'argile. Et il est capable de saisir n'importe quoi dans le décor pour ensuite te le balancer un petit peu sur la tronche. Allez, quand tu dis n'importe quoi, ça peut être des êtres vivants. Oui. Il peut prendre des gens et te balancer dessus. Il peut prendre des ennemis et te balancer dessus. Donc les ennemis, a priori, donc s'il y a bien faite, et il semblerait qu'elle va être bien faite, les ennemis, dès qu'ils voient un petit peu cette créature, ils se barrent aussi. Et alors le truc, donc il est massif, Handyman, tu vois qu'il y a vraiment de la puissance, mais l'animal, il est super agile aussi. Ouais. Il s'attrape, il passe de trucs. Déjà, il arrive du ciel, tu sais pas comment, et il saute de truc en truc juste avec ses deux putains de bras. Donc, assez flippant. Ah non, je chie. Flippant également, la sirène, qui est la dernière créature présentée, qui elle est capable de. C'est a priori une ancienne chanteuse ou cantatrice qui est décédée, et qui du coup est capable de relever par ses chansons des armées de morts. Ouais, c'est flippant. Donc, ça, c'est quand même excellent. Ouais, ouais. On a également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? T'as le motorized Patriot. Donc, il y a une espèce de George Washington mécanique avec une Gatling qui se comporte un petit peu comme un Terminator. Voilà. Donc le truc qui s'arrête jamais.
Et donc en plus, la Gatling, si on arrive à bien bourriner cette créature, on peut la récupérer après coup. Ouais, ouais, ça c'est classe. Et enfin, t'as le dernier qui s'appelle... Je crois que c'est les Silent Boys ou quelque chose comme ça. Les Boys of Silence. Les Boys of Silence. Ouais. Alors eux, ils ont une tronche genre pas possible. Ils correspondent un petit peu aux hommes caméra du premier BioShock, sauf que c'est le son. Donc ouais, ils te balancent genre des cris genre qui font en fait mal. Et ça c'est flippant, c'est quasiment une créature là, Silent Hill. Bah ouais, parce que le délire en plus, c'est que eux apparemment, donc ils sont aveugles, donc le sens qui est développé chez eux, c'est vraiment l'ouïe. Et du coup, il semblerait que tu puisses avoir le choix quand tu seras amené à les rencontrer, tu pourras avoir le choix entre esquiver la jouer de façon Solid Snake, enfin tout dans le stealth et tout. Ou ben aller mettre tes couilles sur la table, qu'est-ce qu'il y a, et puis les défoncer. Mais ça sera pas si facile que ça, parce qu'ils traîneront pas tout seuls, les mecs. Ils viendront et ils violenteront. Donc ça va être ça me met mal à l'aise. Hein. Ces monstres, ils me mettent vraiment mal à l'aise, parce que bon, le chara-design tue. Ouais. Quand tu les entends gueuler, ça tue. La sirène, mais t'es pas bien, tu vois. Donc ça va être bien. Ouais. Alors est-ce que Yakuza Dead Souls nous fera autant flipper? Pas sûr. Ce n'est peut-être pas une évidence chez nous autres occidentaux, mais la série des Yakuza est certainement ce qui est arrivé de mieux à Sega ces dernières années. Avec quasiment 500 000 de ventes à chaque épisode, elle représente une manne financière importante pour l'éditeur, à tel point que ce dernier ne laisse pas passer une année sans se donner la peine de l'exploiter. Mais au-delà de cette réalité économique, quand au printemps 2009, Nagoshi Toshihide déclarait que la série pourrait partir à la conquête de l'espace, ou inclure des zombies s'il le fallait, on pensait sincèrement que les rayons UV dont il raffole lui avaient un peu trop tapé sur la tête. Et pourtant, aujourd'hui, les faits sont là. Sûr de la popularité de sa licence fétiche, l'homme fort et bronzé de Sega a eu le culot de pondre Yakuza Dead Souls, un spin-off improbable qui nous embarque dans une chasse aux morts-vivants en plein Tokyo. Alors qu'il pensait couler des jours heureux à Okinawa, Kiryu Kazuma est rattrapé une nouvelle fois par son passé tumultueux. De sortie dans la capitale, la petite Haruka vient en effet d'être enlevée par ce qui semble être un gang rival. Cet événement va bien évidemment le tirer de sa retraite anticipée pour l'envoyer une nouvelle fois du côté de Kamurocho. Et parce que quand rien ne va, rien ne va, le quartier emblématique de la série est aussi victime d'une mystérieuse invasion de zombies. Heureusement, Yakuza Dead Souls incarne l'épisode du rassemblement et réunit différents personnages de la série avec lesquels on commencera à faire le ménage avant l'arrivée du héros. Le jeu débute donc avec Akiyama Shun, qui doit trouver un antidote pour sauver sa secrétaire. Vient ensuite Majima Goro, qui défend le quartier autant qu'il assouvit ses pulsions meurtrières. Et on retrouve enfin Goda Ryuchi, le boss du second volet, revenu d'entre les morts et qui menait une vie paisible de vendeur de takoyaki. À l'image de Yakuza 4, Dead Souls prend la forme d'un récit choral où les trames de nos héros se mêlent à mesure que l'histoire progresse. Néanmoins, il n'y a rien de foufou à attendre à ce niveau-là. Habituellement complexe et travaillé, le scénario sert ici de simple prétexte pour exploser du zombie. Et cela se ressent particulièrement dans la mise en scène, qui est nettement moins inspirée que d'ordinaire. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, on n'affronte pas des zombies comme on s'occupe de la racaille. C'est pourquoi Yakuza Dead Souls abandonne l'orientation beat'em all traditionnelle de la série pour emprunter le temps de ce spin-off la voie plus radicale du TPS. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, Sega n'a pas repris le gameplay popularisé par Gears of War. Plutôt que de faire simple et efficace, les développeurs ont en effet décidé de nous pondre un système totalement différent, avec une visée semi-automatisée qui nous permet de bourriner tout en avançant. L'action prend une tournure frénétique, c'est clair, mais ne demande du coup pas énormément de skill. Il faut dire aussi que le côté anachronique de la chose n'aide pas, puisque le jeu en est encore à nous imposer une touche pour straffer et une seconde pour basculer en caméra épaule. On n'avait pas vu ça depuis belle lurette, d'autant que dans le second cas, notre héros passe en mode Resident Evil en restant ancré fermement au sol.
Si on s'y était fait dans Resident Evil 5, la manip demandera un petit temps d'adaptation supplémentaire ici, le réticule se contrôlant au stick gauche et non au stick droit comme le veut la norme actuelle. Par ailleurs, la caméra épaule étant associée à un auto-aiming taillé pour le headshot, on passera le plus clair de notre temps à jongler entre elle et la gâchette de tir pour gagner en efficacité. Ça fait un peu technique de lâche, mais la prise en main se montre tellement rigide autrement qu'agir de cette manière est presque une nécessité pour faire face aux vagues d'ennemis qui déferlent. Ces difficultés de prise en main se confirment dès que les zombies spéciaux font leur apparition dans des espaces exigus. On pense par exemple aux petits singes ultra mobiles mais aussi ultra casse-pieds. Au grand costaud sensible seulement du crâne, mais surtout à l'expert de kung-fu qui nous épargne tant qu'on n'a pas eu la mauvaise idée de le prendre à partie. Pour aider nos héros dans ce combat très déséquilibré, on peut notamment compter sur la barre de hit, celle-ci permettant de déclencher des petits QTE pour interagir avec le décor, ou pour balancer un assaut en duo lorsqu'on est accompagné d'un partenaire. On notera également que chacun des héros dispose d'un type d'arme de prédilection et qu'il est possible de customiser son arsenal, moyennant finances et matières premières. Sorti de la transition du beat'em all vers le TPS, Yakuza Dead Souls propose un game system calqué sur celui de ses aînés. On retrouve le même système d'expérience et de points de capacité à redistribuer, les mêmes quêtes annexes avec leur scénario what the fuck, mais aussi les mêmes à côté. Clairement, Sega n'a pas tenu à mettre l'accent sur cette partie aventure habituellement si plaisante, puisqu'on ne trouve ici aucune activité inédite. Le casting des hôtesses est décevant comparé à celui de l'année dernière, et pire que tout, le jeu nous demandera souvent de ressortir les flingues pour pouvoir profiter de tout ça. En effet, pour donner un minimum de cohérence au jeu, les développeurs ont été contraints de découper le quartier. Ainsi, on trouve d'un côté des zones sécurisées où l'on peut se balader tranquillement, et de l'autre des zones de quarantaine où sont regroupés les zombies. Du coup, tous les établissements qui se trouvent dans ces dernières nécessitent d'être sauvés au préalable, ce qui passe forcément par des allers-retours ponctués de grosses rafales de balles. Autant dire que le vagabondage et le côté open world en prennent un sacré coup. Yakuza Dead Souls paye au prix fort sa mission ingrate qui était de cachetonner en attendant que la série principale trouve un nouveau souffle. Avec des délais de production assez serrés et un budget certainement ridicule, les développeurs ont fait ce qu'ils ont pu. Du coup, on se retrouve avec du contenu largement recyclé des précédents épisodes et surtout avec un moteur qui n'a pas été retravaillé pour s'adapter aux exigences d'un shooter. Il en ressort une prise en main lourdingue et une caméra capricieuse, ce qui est assez problématique pour ce genre qui requiert un minimum de précision. Néanmoins, par un triste concours de circonstances, Yakuza Dead Souls suscite chez nous une sympathie énorme. Jouer des gangsters prêts à donner leur vie pour préserver un champ de ruines a forcément une résonance particulière au regard de la catastrophe qui a frappé le Japon il y a un an. Même si le timing n'était pas voulu, à l'heure des commémorations, le jeu délivre un très touchant message d'espoir en illustrant parfaitement cette volonté qu'ont les Japonais d'aller toujours de l'avant. Bon, on remercie Oum qui s'est occupé de cette critique. Et on voit, bon, on va pas s'étaler hein, sur Yakuza. Donc en gros, ils nous ont mis un petit peu le jeu à la sauce zombie. Et puis voilà, en délirant un petit peu à droite et à gauche. Ça apporte pas grand chose, genre à ce que la série proposait. Et bah voilà, c'est sans grand intérêt. Ouais. On va enchaîner tout de suite du coup avec une autre critique. Donc celle consacrée à Resident Evil Operation Raccoon City. Donc je tiens déjà à préciser une petite chose. C'est une critique qui a été faite par Gab. On le sait, Gab. Non mais ouais. Il est sec dans ses critiques. Moi, c'est un truc que j'apprécie. C'est, genre il y va franco. Ensuite, il justifie bien genre la raison pour laquelle éventuellement il détruit un jeu. Bah là, il justifie le truc. Ouais. Il le détruit quoi ça. Faut que je regarde ça. Comme toute licence prolifique qui se respecte, la série des Resident Evil contient son lot de spin-offs.
Après du rail shooting avec Umbrella Chronicles, ou même du RPG avec Resident Evil Gaiden, Capcom s'aventure du côté du TPS à la Gears of War avec Opération Raccoon City, sorti depuis peu sur PS3 et Xbox 360, et prévu pour mai sur PC. Pour cet épisode, l'éditeur a externalisé la production en confiant le jeu à Slant Six Games, surtout connu pour des épisodes de SOCOM sur PSP. Et tout comme la série de Sony, Opération Raccoon City se présente comme un shooter coopératif jouable à 4. Après une présentation à l'E-Cube assez moyenne, nous avions des doutes concernant la qualité de ce spin-off. Et malheureusement, ces doutes étaient fondés. Comme son titre le laisse présager, Opération Raccoon City se déroule durant l'incident d'Umbrella, en même temps que Resident Evil 2 et 3. Pour rappel, la société Umbrella a laissé s'échapper un virus transformant tout le monde en zombie et une poignée d'individus tentent de survivre. Cette fois-ci, vous ne contrôlez pas Léon ou Claire, mais les méchants. Vous incarnez l'un des 6 personnages de l'équipe Wolfpack, chargé de détruire toute preuve pouvant compromettre Umbrella. Cela passe bien évidemment par l'élimination des derniers survivants et on croisera à plusieurs reprises des têtes bien connues. Mais ça ne fonctionne pas. On a constamment l'impression que les scénaristes ont tenté de faire un scénario en recollant les morceaux qui leur convenaient, et non pas d'éclairer les parts d'ombre de la série. On a en outre la désagréable sensation de ne plus jouer dans le même univers. Les zombies, par exemple, peuvent courir, ce qui n'était pas le cas dans les premiers Resident Evil. Ajoutons à cela des personnages sans charisme et une progression décousue, et on comprend que l'histoire d'Opération Raccoon City ne vaut pas grand-chose. Côté game system, Opération Raccoon City contient 2-3 bonnes idées, à commencer par la visée. Gears-like oblige, on vise à l'épaule avec LT, pas de changement de ce côté-là. Mais en maintenant LB, on dégaine son arme de poing et on vise automatiquement les ennemis proches. Les deux visées se complètent et nous permettent de nous adapter facilement aux ennemis rencontrés. Les ennemis, justement, sont un autre point positif du jeu. Côté infecté, on retrouve le bestiaire habituel de la saga, avec les classiques zombies, mais aussi les parasites et les leakers, ainsi que les terrifiants hunters. Ils balancent des M-121. Ces trucs ne vont pas nous épargner. Vous affronterez également l'armée du gouvernement, que vous devez éliminer car elle en aurait trop vu. Ce n'est pas le bestiaire, somme toute assez classique, qui est intéressant, mais la façon dont les ennemis interagissent entre eux. Vous pourrez en effet pousser les humains et les zombies à se battre entre eux. Un bon point donc, qui ajoute une certaine dimension tactique au titre. Enfin, la campagne est jouable à 4 joueurs, et c'est là qu'elle devient vraiment intéressante. Chaque joueur choisit l'un des 6 membres de l'escouade Wolfpack, ayant chacun des capacités différentes. Invisibilité, explosif, antidote, balles de feu, etc. Les combinés est vraiment plaisant, et on voit clairement qu'Opération Raccoon City a été pensée pour le coop. Arrête de bouger. Malheureusement, ces quelques points positifs sont littéralement noyés sous une marée de défauts. Si vous jouez seul à la campagne, on vous collera au pied des bottes complètement débiles, au point de foncer sur les mines ennemies. Et puisqu'il n'y a aucun moyen de donner des ordres ou de demander de l'aide à ses coéquipiers, toute notion de teamplay disparaît. Au final, on se contentera de jouer seulement Lupo, la femme aux balles enflammées, qui s'avère être le seul personnage efficace contre les boss. Car Opération Raccoon City souffre de gros problèmes de difficulté, et ce, à cause de nombreux facteurs. Par exemple, on ne sait jamais quand on atteint un checkpoint ou quand le jeu sauvegarde, ces deux fonctions étant dissociées. Il n'est donc pas rare de devoir se retaper une cinématique avant un boss, ou même de refaire la moitié du niveau car on a quitté le jeu au mauvais moment. Sans compter que les boss fights sont beaucoup trop longs. Il faudra ainsi canarder la tête du Némésis pendant un quart d'heure pour le battre. Quant au cover system, il fait partie des pires jamais vus dans un TPS. Contrairement à beaucoup de jeux où il faut presser un bouton pour se cacher derrière l'abri le plus proche, ici, on doit avancer vers la couverture avec le joystick gauche et notre personnage se mettra à couvert derrière. Résultat, on se met à couvert alors qu'on veut juste avancer et on reste debout quand on souhaite se protéger à cause des innombrables bugs de collision. Ces mêmes bugs vous exposeront constamment aux tirs ennemis, même lorsque vous êtes à couvert, et vous feront bien rire quand un cadavre de liqueur sera suspendu au plafond. Rajoutons à cela l'impossibilité de passer d'une couverture à une autre, et la difficulté de tirer à couvert, et on obtient un cover system proche de l'injouable. Quant aux combats, ils sont tout simplement nuls. L'IA ennemie est inexistante, les armes font des bruits ridicules, et c'est surtout très très mou. Attention ! Attendez, ce n'est pas fini. Parlons un peu du level design complètement foiré. Soit il est archi-classique, si bien qu'on peut prédire à l'avance ce qui va se passer, soit il est un poil original, mais trop étiré en longueur.
La course-poursuite du premier niveau recycle ainsi pendant 10 minutes les mêmes couloirs et jets de vapeur. Ajoutons à ce tableau la noirceur des décors empêchant souvent de viser correctement, un comble pour un shooter, et une tentative ratée d'installer un sentiment de peur. Au bout d'un quart d'heure, on comprend qu'une porte close que l'on doit traverser se fera automatiquement exploser par des zombies enragés, certainement en colère de se retrouver mêlé au fiasco Opération Raccoon City. En sus du mode histoire, on trouve 4 modes multijoueurs. Le Team Deathmatch, où chaque équipe devra s'écharper, Biohazard, l'équivalent d'un capture de flag, écartez-vous ! Héros, un Team Deathmatch où vous n'avez qu'une vie, et Survivant, où vous devez attendre un hélico venant vous sauver. On retrouve dans le multijoueur les mêmes problèmes que dans la campagne. Gunfight mou, level design déjà vu, et sentiment de vide intersidéral. Opération Raccoon City est l'antithèse du bon TPS. Mou, répétitif, déjà vu, presque injouable, bref, un ratage complet. Les éléments pas trop mauvais sont enfouis sous une épaisse couche de médiocrité, si bien que les chercher ne vaut vraiment pas le coup. Que vous soyez fan de Resident Evil ou amateur de shooter, passez votre chemin. Et si la campagne coopérative vous intéressait, vous pouvez toujours refaire Gears of War 3 et Left 4 Dead 2, ce qui vous coûtera moins cher et vous frustrera moins. Reçu. Attendez. Bon, vous avez prévenu, hein. il y va pas de main morte. Donc bah voilà, c'est encore une fois, genre c'est assez décevant quoi. On a des grosses séries, on a quand même la série Yakuza, bon, on l'apprécie ou non, mais en tout cas le contexte un petit peu japonais est très sympathique, avec les quartiers, avec les activités qui font un petit peu, genre qui correspondent à l'image exotique qu'on peut avoir du Japon. Et puis Resident Evil, qui est quand même à la base une série horrifique, qui tout doucement s'est orientée de plus en plus vers quelque chose d'action. Vers de l'action, pour correspondre peut-être davantage à un public occidental qui soit du Gears of War, des trucs genre proche du EPN, Call of Duty Light. Ouais, est-ce que c'est le public qui souhaite ça ou est-ce que c'est Capcom qui croit que le public souhaite ça? C'est aussi ça le truc. Mais là, clairement, ils nous ont fait une espèce de TPS, donc orienté multijoueur, et qui s'éloigne, mais genre à fond de la série et du fonds de commerce horrifique des Resident Evil. Donc très très décevant. Ah, c'est marrant, t'as Yakuza Dead Souls qui tape dans le zombie, puis t'as la série normalement qui a fait connaître à plein de personnes les zombies dans le jeu vidéo, qui tape dans l'action, ça n'a plus de sens. Est-ce qu'on va réussir à trouver quelque chose, Thierry, qui va nous mettre bien du coup? Est-ce qu'on va réussir à lancer, par exemple, une rubrique avec un nom de jeu dedans et un nom que tu vas pouvoir dire sans dire de câlin? Speedthrough Puzzle. Je crois que c'est à peu près ça. Puzzle. Donc en gros, vous allez voir, donc c'est notre rubrique 3000 pas plus pour Alien 3 plus, et c'est un jeu qui est disponible et téléchargeable sur l'eShop de la 3DS et qui est vraiment super sympa et loin d'être évident. Je pense que toi, par exemple, t'y arriverais pas. Puzzle Puzzle est la conversion 3DS du casse-tête 3D Fru Space High Velocity, sorti sur WiiWare en 2010. Toujours développé par le studio japonais Kiss Factory pour Nintendo, ce puzzle game reprend le concept du vieux Blockout, un Tetris-like où l'on devait imbriquer des pièces dans un puits vu de dessus, représenté en 3D fil de fer. Mais contrairement au jeu sorti en 1989 par California Dreams, le titre Kiss Factory ne demande pas d'imbriquer des pièces, mais de leur faire franchir une série de murs. Ces derniers possèdent des ouvertures, à travers lesquelles il conviendra de glisser ses pièces en les faisant tourner sur elles-mêmes de manière à récupérer des cœurs et marquer des points en réalisant des figures. Car si les premiers niveaux s'avèrent très simples, avec un tutoriel progressif permettant à chacun de prendre ses marques, tout se complique très vite. Les ouvertures dans les murs contiendront rapidement plus de cœurs que ne peut en ramasser la pièce manipulée. Il conviendra alors de jouer avec son nombre. En gros, votre pièce projette une ombre et lorsque vous commencez à la pivoter, celle-ci perdure. L'idée est donc de placer votre pièce face aux ouvertures des murs afin de les remplir à l'aide de votre ombre durant les quelques secondes qui précèdent son franchissement. La vitesse est également un paramètre à prendre en compte puisqu'il est possible d'accélérer votre course à l'aide d'une gâchette. Plus vous allez vite, plus vous scorez. Si le concept des figures était déjà présent dans Fru Space, cette adaptation 3DS se distingue de la version WiiWare sur plusieurs points. Pour commencer, elle propose un mode 2 joueurs en local ainsi que la possibilité de jouer à deux sur la même console, un joueur utilisant la croix directionnelle et l'autre les boutons afin de faire pivoter chacun leur pièce. Ensuite, Speedthrough Puzzle Puzzle tire bien évidemment parti de la 3D relief offerte par la portable Nintendo, totalement adaptée à ce titre jouant sur la notion de profondeur. Enfin, le background et l'interface du jeu ont été entièrement revus. Les décors stylisés de Fru Space s'effacent au profit de la civilisation aztèque avec ses dieux, ses temples et ses tours.
Les pièces manipulées sont ainsi des gardiens que l'on pourra déplacer sur des mini-cartes à la Mario afin de choisir le niveau de son choix. Plusieurs embranchements sont proposés, certains menant à des épreuves classiques et d'autres à des défis précis, comme réaliser le plus vite possible des dizaines de figures afin de grimper les étages d'une tour. Les niveaux du jeu se compliqueront rapidement, avec des obstacles mouvants qu'il faudra contourner ou la présence de longs couloirs réduisant la visibilité et le temps précédant le franchissement d'un mur. Ultra addictif, Speed Through Puzzle Puzzle est un superbe puzzle game, très complet, doté d'une énorme rejouabilité, d'un mode de joueur plus que bienvenu et d'épreuves plus variées que l'on aurait pu le supposer. Personnellement, je n'aurais qu'un reproche à lui faire, son contexte aztèque à la noix, pas très joli, ni franchement pertinent, et surtout vu et revu dans le genre puzzle game. Donc voilà, on vous l'avait dit hein, en début d'émission, il n'y a que des remakes ou des suites, et en l'occurrence, Puzzle Puzzle, donc, qui est un jeu téléchargeable sur l'eShop 3DS, était sorti en 2010 sur WiiWare. Donc ils ont simplement réadapté un petit peu le gameplay, donc en développant des petites choses supplémentaires, comme un mode de joueur, un nouveau contexte qui est celui de la civilisation aztèque, mais en gros le gameplay reste exactement le même, et voilà. Donc, mais ça reste super méga sympa, et moi ça me rappelle un petit peu ces vieux jeux, ces vieux puzzle games en 3D, comme Blockout dont je parlais en tout début de la chronique. Donc, voilà. D'accord, c'est bien. Est-ce que du coup là maintenant on peut se remettre dans l'ambiance la pression. Plus ouais, 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 ouais. Avec ah ouais, à jouer, mais je vois d'ici le conducteur. Ah ouais, là c'est l'heure de sortir. Là c'est la peur. Parce que là on va se chier dessus là les mecs. Donc c'est l'heure de sortir des nouveaux caleçons, des nouveaux slips pour ceux qui en portent. Et puis le regarder. Des vieux slips, parce qu'en l'occurrence c'est des conversions HD de jeux déjà sortis. Donc vous allez voir, Silent Hill HD Collection, à côté. Quelques semaines après le lifting HD de Metal Gear Solid 2, 3 et Peace Walker, et avant l'arrivée prochaine de Zone of the Enders HD Collection, Konami continue le recyclage de ses titres ayant fait sa gloire durant l'ère PS2 avec Silent Hill HD Collection. Si ce genre de portage sur console HD est bien sûr une entreprise avant tout mercantile, tirant sur la corde sensible de la nostalgie de la part d'un éditeur en sérieuse perte de vitesse depuis quelques années, on ne va quand même pas bouder notre plaisir. D'autant plus si la qualité est au rendez-vous comme avec l'excellente compilation Metal Gear Solid HD Collection, quasi irréprochable. Malheureusement, ce ne sera pas le cas de ces conversions HD de Silent Hill 2 et 3. En effet, contrairement à MGS, ce portage haute définition n'a pas été confié à Bluepoint Games, qui a déjà montré par le passé son respect pour le matériau d'origine, mais à iJing Studios. Côté technique, iJing Studios ne s'en est pas trop mal sorti, et ils peuvent surtout remercier l'impressionnant travail originel de la Team Silent. Silent Hill 2 a certes un peu vieilli, mais conserve le même charme morbide qu'en 2001. Silent Hill 3, quant à lui, reste encore très beau, surtout au niveau des textures et de la modélisation des visages qui, et c'est une impression toute personnelle, fait la nique à bon nombre de productions actuelles. Bien que les deux jeux soient très agréables à l'œil, cette compilation souffre de pas mal de lags dus au chargement lors des déplacements en ville. Ceci était déjà présent sur les jeux d'origine, mais était toutefois pardonnable il y a 10 ans, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui avec la puissance des machines actuelles. Une question que l'on se pose, c'est pourquoi avoir inclus dans cette compilation uniquement Silent Hill 2 et 3, alors que le quatrième épisode était lui aussi sorti sur PlayStation 2 et même sur Xbox première du nom. D'autant plus qu'une édition The Silent Hill Collection regroupant ces trois épisodes de l'ère 128 bits était déjà sortie sur PS2 en 2006. De plus, Silent Hill 4 est intimement lié au second volet de la série. Et puis, pourquoi ne pas avoir proposé le premier Silent Hill en bonus, sachant que le troisième épisode en est la suite directe? Dad, it's me. Les nouveaux joueurs risquent ainsi de ne pas saisir tous les tenants et les aboutissants du parcours de Heather. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. Pour finir, on peut aussi se demander pourquoi les deux jeux ont été intégralement redoublés. Si Silent Hill 2 propose les deux versions, le nouveau doublage perd grandement en intensité par rapport à l'original et est régulièrement à la ramasse au niveau de la synchronisation labiale. Who is it? Someone very important to me. Who is it? Someone very important to me. Anyway, I'm coming home now. Alors que Silent Hill 3, lui, ne propose malheureusement que le nouveau doublage. Bien entendu, les nouveaux joueurs ne remarqueront rien, mais pour les puristes, avoir changé les voix est une trahison. Okay, I will. I love you too, Dad. Ainsi, Heather perd son côté innocent et fragile à cause d'une voix nasillarde et énervante
et Douglas a perdu son timbre rauque et éraillé, nous faisant imaginer le détective privé tuant le temps en fumant un cigare, un verre de scotch à la main en attendant une affaire. Je dois parler avec vous. Mon nom est Douglas Carton. Je suis un détective. Pourquoi donc avoir dépensé de l'argent pour enregistrer un nouveau doublage, alors qu'il y en avait déjà un parfait et prêt à l'emploi? Well, nice talking to you. Malgré tous les reproches que l'on peut faire à cette compilation, le feeling original est toujours présent. Silent Hill HD Collection s'adresse essentiellement à ceux qui n'ont pas eu la chance de s'essayer à ces deux monuments du jeu d'horreur. Les fans de la première heure risquent d'avoir un peu plus de mal à cause de toutes ces imperfections imputables à Hygiene Studios. Ceux qui arriveront à faire fi de tout ce qui a été cité précédemment prendront tout de même du plaisir à rejouer à ces jeux ayant profondément marqué leur vie de joueur sur un écran HD. Je te sens énervé là, Médoc. Ouais, non, parce que, ouais, donc on vient de voir la critique de Silent Hill Collection, HD Collection, là. Non, c'est pas cool. Bah, déjà, le fait bon, qu'ils te laissent le choix entre les voix originales et les nouvelles voix, parce qu'ils ont fait des nouvelles voix, du coup, pour les épisodes 2 et 3, c'est bien qu'on te laisse le choix dans le 2, qu'on te le laisse pas dans le 3, ça n'a pas trop de sens. Et puis aussi, pourquoi ils appellent ça Silent Hill HD Collection, alors qu'ils te mettent les 2 et le 3 points, ils te mettent pas le 1 et le 4, ça n'a pas de sens. Bah ouais, c'est un peu que dans ce cas, si, après ils vont sortir une autre collection. HD Collection 2. Mais ouais, mais non, bah, tu vois, mais non. Bah non, ça n'a pas de sens. Tu fais pas ça, Konami. Tu fais pas ça maintenant. T'arrêtes. Tu fais pas ça. Bon, j'espère que le message est passé. Est-ce que par contre, sur Downpour, ouais, ils se sont pas merdés? Ça, c'est quand même la vraie question. Parce que bon, décoration HD, c'est cool. Ça permet de redécouvrir un petit peu des jeux qu'on a kiffés, etc. Ouais. Ou alors un nouveau public de se faire une partie genre de la série, de manière à se remettre un petit peu dans l'ambiance. Et pour apprécier ce nouveau volet, développé par Vatra. Est-ce que ça vaut le coup? Mais déjà, rien que quand tu dis développé, comment tu dis développé par Vatra, on sait que ça vaut. Tu spoiles les critiques. Non. En fait, c'est pas si mal que ça. La critique tout de suite. C'est pas si mal. Série phare du genre horrifique, la saga Silent Hill a depuis quelques années perdu de sa superbe. Après un quatrième épisode qui, malgré de très bonnes idées narratives jouant de façon originale sur l'identification du joueur, divisa les fans à cause d'une structure et de certains choix de game design assez bancal, la série a été confiée à des studios occidentaux. Le premier jeu développé en dehors de l'archipel nippon fut le très pantouflard Silent Hill Origins sur PSP, développé par le studio britannique Climax. Se voulant être l'épisode dévoilant les origines des traumas de Silent Hill, et bien qu'il soit tout à fait recommandable en termes d'ambiance et de gameplay, celui-ci échoue dans ses velléités scénaristiques, tant il n'apporte au final pas grand-chose au background de la saga. En 2009, la série s'essaye pour la première fois aux consoles HD, et là, c'est le drame. Bien que le jeu ne soit pas fondamentalement mauvais, Silent Hill Homecoming se vautre à cause d'une orientation un peu trop action, d'un fanservice ridicule et d'une fin annihilant toutes les bonnes intentions d'une histoire pourtant intéressante, bien menée et qui distillait un mystère poussant le joueur à en savoir plus. Depuis ces essais plus ou moins ratés, chaque annonce d'un nouveau Silent Hill est attendue avec autant d'impatience que d'appréhension. Et c'est avec surprise et inquiétude que les joueurs ont pu découvrir un nouveau titre développé par Climax, Silent Hill Shattered Memories sur Wii. Présenté comme une relecture du tout premier épisode, Shattered Memories fut une énorme surprise. Bouleversant, stressant, audacieux et maîtrisé, ce titre a redonné un second souffle à une série en sérieuse perte de vitesse. C'est alors que Konami présenta, lors de l'E-Cube 2010 et avec une étrange discrétion, Silent Hill Downpour. Il est confié cette fois-ci au studio tchèque Vatra, qui signe ici son premier jeu d'envergure après Russian Attack Expatriot, un platformer action passé assez inaperçu sur le XBLA et le PSN. Cette seconde incursion de la série sur les consoles HD se doit de corriger les erreurs de Homecoming et continuer sur la dynamique positive de Shattered Memories. Downpour sera-t-il l'épisode qui aura enfin réussi à faire passer Silent Hill à l'ère de la haute définition? Sans toutefois déflorer trop vite cette critique, on ne peut pas vraiment répondre par l'affirmative, tant le titre de Vatra souffle le chaud et le froid. All right, Murphy, it's all set. Make it quick, huh? Follow me. Le jeu commence en vous mettant dans la peau d'un détenu, un certain Murphy Pendleton. Celui-ci est emmené par un gardien jusqu'aux douches, et en général, dans les douches d'une prison, il se passe des trucs peu recommandables à base de meurtre ou de savonnette.
Rapidement, un second détenu nous rejoint et à la vue de sa carrure, gras, effrayé et bedonnant, on se doute que ce ne sera pas lui le bourreau. S'ensuit un bref échange verbal où Pendleton semble connaître et reprocher des choses à son co-détenu. You don't recognize me, do you? En peu de temps, le dialogue se transforme en carnage, où Murphy assassine sauvagement l'homme à coups de couteau. You know exactly why. Peu de temps après ce règlement de compte macabre, Murphy est transféré dans une prison de haute sécurité. Cependant, le voyage ne se déroulera pas comme prévu, puisque le bus transportant les prisonniers fait une embardée, sort de la route et s'échoue dans un ravin aux abords d'un lac. Se réveillant à proximité du bus, défait de ses liens, Murphy s'enfuit dans la nature. Malheureusement, l'accident s'est déroulé aux abords de Silent Hill, et comme tous les malchanceux visiteurs de cette ville maudite, Pendleton devra tout faire pour s'échapper en faisant face à ses démons intérieurs bien plus réels et dangereux que les personnages et créatures qu'il pourra rencontrer. L'aventure commence donc aux abords de Silent Hill, où l'habitué de la série retrouvera rapidement ses marques. Le début se déroule en effet de manière plutôt classique, avec un mélange entre exploration nécessitant de rechercher des indices sur le scénario, résolution de puzzles et d'énigmes, et affrontement contre quelques créatures peu ragoûtantes, le tout suivant un cheminement assez linéaire. Cependant, après quelques heures de jeu, les développeurs de Vatra ont décidé de bousculer les habitudes des joueurs. Après avoir crapahuté dans un diner peu fréquentable et des mines fort peu accueillantes, Murphy arrive enfin dans les rues de Silent Hill. Et c'est à ce moment que le jeu switch en mode open world. Là où les précédents épisodes étaient assez dirigistes et ne laissaient que peu de marge de manœuvre aux joueurs dans ses déplacements en extérieur, ici, il sera possible de se déplacer à loisir et de faire de nombreux allers-retours dans les rues de Silent Hill à condition d'avoir débloqué les différentes zones de la ville. Celles-ci se débloquent en avançant dans le scénario via des niveaux à la structure plus classique et linéaire se déroulant dans les différents édifices de la ville. Avoir fait de ce Silent Hill un épisode open world peut surprendre de prime abord, d'autant plus que cette décision est accompagnée de l'apparition d'objectifs secondaires, une grande première pour la série. Ces quêtes sont de plusieurs natures. Il sera demandé aux joueurs de retrouver différentes choses disséminées à travers la ville, comme des tableaux ou des oiseaux, de résoudre des énigmes, d'effectuer des mini-quêtes, dont la structure ressemble à des niveaux plus classiques, mais en beaucoup plus courts, ou de pénétrer à l'intérieur de certains appartements en hauteur, en faisant descendre l'échelle de sécurité grâce à une arme appropriée. L'une des missions secondaires consistera à arrêter les patrouilles de police. En effet, régulièrement, des voitures de police patrouillent dans les rues de Silent Hill. Étant un prisonnier en fuite, Murphy devra donc se cacher au son des sirènes. Si malgré tout il se fait attraper, le joueur aura la désagréable surprise de ne pas avoir affaire à un agent de police, mais à toute une armada de créatures qu'il faudra fuir de toute urgence. Il est assez aisé de trouver les objectifs secondaires, puisque ceux-ci s'affichent automatiquement sur la carte du joueur grâce à la présence de points d'interrogation lorsque le joueur passe à proximité d'un lieu en renfermant un. Malheureusement, il sera impossible de noter soi-même quelque chose sur la carte. Le joueur y accède par le biais du carnet de Murphy Pendleton, qui contient, en plus de la carte, de nombreuses informations comme des coupures de presse, les différents rapports de police, pénitentiaires ou psychologiques, offrant des indices sur le scénario, ainsi que les objectifs principaux et secondaires, en cours et accomplis. Ce carnet constitue la source d'informations la plus importante pour le joueur, alors quel dommage qu'il n'ait pas été plus pratique à utiliser. En effet, lorsque l'on zoome pour pouvoir mieux lire, il est impossible de bouger librement la caméra. Étrangement, les pages sont découpées en 6 zones distinctes, et il faudra naviguer entre ces espaces sans pouvoir centrer la vue sur un point précis du carnet. Un petit défaut qui, au final, ne génère qu'un léger inconfort, mais ne nuit pas vraiment au jeu en général. A contrario de l'un des principaux points noirs du jeu, les combats. S'il est parfois possible d'éviter l'affrontement contre des monstres, il arrivera fréquemment que le face-à-face soit inévitable, et c'est là que ça se complique. Bien que le système de combat soit plutôt simple, à savoir un bouton d'attaque que l'on peut presser plus ou moins longtemps pour donner plus de force à son coup et un bouton de protection, les affrontements souffrent d'animations raides, d'une caméra foireuse et d'un système de lock à la ramasse. Ajoutez à cela la présence d'une grande quantité d'armes, plus ou moins utiles, grâce à la réapparition d'une des idées les plus agaçantes des précédents Silent Hill, les armes destructibles. On notera aussi la possibilité de jeter ses armes sur les ennemis, ce qui au final ne causera que très peu de dégâts et vous laissera complètement désarmé, ce qui en fait l'une des features les plus inutiles jamais vues dans un survival horror. De plus, il arrivera que l'orage éclate au-dessus de Silent Hill, et lorsque l'orage gronde, les monstres sont beaucoup plus nombreux et agressifs.
Sachant qu'il n'est pas agréable de se battre contre un seul monstre, imaginez la torture lorsqu'il en arrive plusieurs en même temps, et enragé de surcroît. Tout ceci mis bout à bout rend malheureusement les affrontements extrêmement pénibles à jouer. Si Silent Hill Downpour est plombé par une maniabilité désastreuse lors des combats, sa réalisation continue d'enfoncer le titre de Vatra. Comme vous avez probablement pu le remarquer au cours de cette critique, le jeu est loin d'être au point sur le plan technique. Non qu'il soit moche, loin de là, mais il souffre de nombreux bugs, de certains effets de lumière ratés, de ralentissements ou de très grosses saccades à cause d'un accès disque mal optimisé. De plus, alors que le jeu se veut open world, il arrive de temps en temps, lors des déambulations du joueur dans les rues de Silent Hill, que des écrans de loading se lancent, chargeant ainsi des pans entiers de la ville. Des temps de chargement qui, malheureusement, restent assez longs malgré l'installation du jeu sur le disque dur. Pour continuer sur le plan visuel, le design des monstres est d'une banalité confondante. Là où les précédents épisodes offraient des créatures torturées personnifiant les traumas du héros, ici on a le droit principalement qu'à des humanoïdes insipides ressemblant à du sous Clive Barker qui aurait perdu toute sa perversion. De toute manière, le jeu souffre d'un manque flagrant d'inspiration au niveau du chara-design, contrairement aux décors qui, eux, sont très fins et détaillés. Les passages dans l'autre monde, caractéristiques de Silent Hill, sont pour leur part extrêmement beaux et inspirés, à l'image de ce passage à l'intérieur d'une tour d'horloge. L'un des autres soucis de ce Silent Hill Downpour est le manque d'ambiance et de peur. Bien que les Silent Hill ne soient pas des jeux terrorisants, ils parvenaient toujours à installer une atmosphère dérangeante et malsaine que l'on retrouve à aucun moment dans Downpour. La faute à un début d'aventure trop classique, sans vice ni vertu, et une arrivée dans les rues de Silent Hill faisant office de douche froide. En effet, le manque d'ambiance oppressante est principalement attribuable au côté open world de l'aventure. L'horreur est un genre qui fonctionne surtout grâce à une bonne mise en scène et un sens du rythme maîtrisé, ce qui est antinomique avec la liberté offerte aux joueurs avec le genre open world. Si un développeur chevronné comme Remedy a mis si longtemps à développer Alan Wake, c'est parce que les intentions initiales étaient de proposer un jeu horrifique dans un univers open world et qu'ils s'y sont cassés les dents pour au final faire marche arrière et sortir un jeu avec une structure plus classique. Même si les intentions de Vatra étaient louables, il faut avouer que le résultat final ne convainc pas vraiment. Cependant, si les séquences en extérieur manquent de maîtrise sur le plan horrifique, il faut tout de même reconnaître aux développeurs un réel talent pour les niveaux en intérieur. Ceux-ci sont construits de façon plus linéaire, ce qui permet aux équipes de Vatra de mener le joueur par le bout du nez et de proposer ainsi une mise en scène efficace, faisant régulièrement monter la pression. Et ce, principalement lors des passages dans l'autre monde, offrant par moments des séquences à la limite du virtuose. L'aventure se termine en 8-10 heures en ligne droite, mais les quêtes secondaires font grimper la durée de vie jusqu'à plus d'une quinzaine d'heures. Ces missions, bien qu'elles ne récompensent que très peu le joueur, à part quelques trousses de soins et armes spéciales de ci de là, offrent toutefois un plus non négligeable en apportant beaucoup au background de la ville. Ainsi, on peut voir de nombreuses petites tranches de vie, ou plutôt de fin de vie en général, qui donnent à Silent Hill le visage d'une ville ayant abrité de la vie, des familles qui ont vécu leur lot de joie, de peine et de drame. De plus, si elles ne font guère avancer le scénario principal, certaines d'entre elles apportent quelques éléments supplémentaires pour la compréhension de l'histoire. Celle-ci reste l'un des points forts de ce Silent Hill Downpour. Même si l'histoire est quelquefois desservie par un symbolisme parfois grossier, l'aventure développe des thématiques fortes et rarement traitées de cette manière dans le jeu vidéo. Revenge is a long, treacherous road, isn't it, Mr. Pendleton? Where do you suppose it ends? De plus, on sent que les développeurs sont des amoureux de Silent Hill et qu'ils ont essayé de faire plaisir aux fans de la saga. Non par un fanservice malvenu comme dans Homecoming, mais grâce à de petites touches musicales et des petits clins d'œil complices, à l'image de cette chambre qui rappellera quelques bons ou mauvais souvenirs à certains. On ne l'avait pas évoqué jusqu'à présent, mais Downpour est le premier épisode de la série dont la musique n'a pas été composée par Yamaoka Akira. Parti de Konami pour rejoindre Grasshopper Manufacture, après avoir composé les musiques de Shattered Memories, il était l'identité sonore et musicale emblématique des Silent Hill. Son remplaçant, Daniel Licht, compositeur entre autres des musiques de la série Dexter, s'en est pourtant très bien tiré, même si ses compositions s'avèrent moins dérangeantes et organico-métalliques que celles de Yamaoka. Cependant, il subsiste une faute de goût qui restera impardonnable, celle de la présence du groupe Korn pour le générique.
Pour conclure, Silent Hill: Don't Pour n'est pas un mauvais jeu, mais un titre moyen traversé par quelques fulgurances qui méritent que l'on s'attarde dessus. Et il faudra tout de même se faire violence pour aller gratter la surface d'un jeu à la réalisation ratée, passer outre un système de combat foireux et un début d'aventure poussif, afin de mettre à jour ses grandes et intéressantes qualités. You alone decide your fate. Je sens l'énervement grimper mais chez ouais, toi de plus non. en plus au fur et à mesure de l'émission avec les critiques des mais films. Mais ouais, mais non, mais parce que comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, moi je suis vraiment un die-hard fan des Silent Hill, en tout cas jusqu'au 4 inclus. C'est important de le dire parce qu'il y en a qui disent ah, le 4 il est très très bien. Non, déjà je repensais à cette histoire de HD Collection, déjà 6 ans, s'ils sortent une deuxième collection, okay. Quoi, ils vont faire quoi? Ils vont mettre le 5 aussi, c'est-à-dire carrément ils se foutent de notre gueule. Enfin tu vois, ce que le 5 on sait ce que c'est, hein, double hélice et tout, rentre chez toi. Et là, Downpour, donc il y a des trucs qui vont pas, parce que effectivement pour ceux qui connaissent pas, comme le dit Jonathan, pour ceux qui connaissent pas la série, bon, ils ont peut-être pas forcément accroché parce qu'il y a beaucoup de références aux anciens épisodes. Mais en même temps, pour ceux qui connaissent bien la série et qui kiffent cet esprit Silent Hill qui a été développé sur les 4 premiers épisodes, parce que le 5, encore une fois, on n'en parle pas, voilà, bon, ben, ils vont se sentir un petit peu trahis parce qu'il y a des trucs de merde. Le système de lock, il marche pas, mais rien que le fait de parler de système de lock dans un Silent Hill, ça m'énerve. Pour moi, un Silent Hill, tu dois pas avoir un système de combat. Depuis quand t'as un système de combat? Dans un Silent Hill, normalement, tu trouves un truc par terre, tu tapes et puis ou tu cours. Normalement, tu cours dans un Silent Hill. Ouais, visiblement, c'est le truc qui est agaçant, c'est que ça demande des efforts. C'est-à-dire que le jeu tient la route au niveau de son scénario, et donc il faut que le joueur se force à aller au-delà en fait des défauts du jeu, des nombreux défauts du jeu, que ce soit les combats, que ce soit la technique, plein de petites choses comme ça. Cette ville open world qui est un petit peu bancale, qui casse ce concept de mise en scène horrifique, et donc il faut se forcer. Il faut genre dire, ok, je vais aller au bout de cette séquence, je sais que derrière, il y a quelque chose qui tient la route. Et ça, c'est agaçant de se dire, merde, on n'est pas censé faire des efforts, on est censé kiffer du début à la fin. Ouais, tout à fait. Donc en fait, globalement, ce classé 18+, il était très énervant. on a eu que des critiques, genre, ouais. Ah, c'était pas ça complètement, c'était moyen. Ouais, même ton 3 minutes pas plus, non. C'était difficile voilà. De dire le nom, tu vois. Donc, ouais, ok, puzzle. Putain. Moi, je peux le dire sans souci. Par contre, c'est ce que j'allais dire. Le meilleur jeu de ce classé 18+, c'est celui présenté dans 3 minutes pas plus. D'où l'intérêt de cette rubrique. D'accord. D'où le côté zen, d'où le côté genre, bah, merci la personne qui crée cette rubrique. Et ça me tue tous les 15 jours. Voilà. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau classé du plus. Bon, là, le contenu va commencer à se raréfier un petit peu parce que déjà, il y a la préparation de l'E3. Ensuite, les mois d'avril et de mai sont pas spécialement fournis. Ouais. On aura quand même la critique d'une suite, Prototype 2. On aura aussi un reportage consacré à une suite, une bonne suite, Borderlands 2. Donc, ouais. des petites choses sympathiques. C'était toi qui avais fait le reportage. Voilà. Donc, on se retrouve dans 15 jours. D'ici là, je pense qu'on aura le temps de se calmer. De regarder 3 minutes pas plus plein de fois, tous les autres sur Malfoy Night. Il faut que tu dises au revoir. Au revoir.